On désirait une victoire. Est-ce qu'on avait beaucoup, tu as beaucoup parlé dans la semaine du côté, enfin t'attendais beaucoup les filles au tournant. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as vu ce soir ou c'est encore la même frustration? Non, je suis pas. Les filles, elles sont contentes parce qu'elles ont gagné. C'est sûr que de gagner, de prendre 3 points, c'est important, mais moi je suis pas content. Ouais. Sur les stats, c'est 21 tirs ratés à 6 mètres, 13 mauvais passes. Donc c'est pas possible. On peut pas. Ça manque de concentration. Il y a un gros manque de concentration. Quoi. Ça joue trop facile. On a surtout l'impression voilà, que ça s'adapte au niveau de l'adversaire. Comment tu l'expliques? C'est quelque chose qui est assez présent depuis le début de saison. Non, c'est pas de maintenant. C'est dans leur état d'esprit depuis qu'elles jouent handball. Mmh. C'est pas de maintenant. C'est dans leur état d'esprit depuis qu'on leur a appris à jouer handball. De jouer comme ça. Voilà. Donc c'est dur à changer. Et je vais essayer d'y arriver. Je vais essayer de travailler pour que ça change. Mais moi, quand je prends un ballon, quand je jouais, je prenais un ballon, je mettais ma tête dans le but. Et là, je prends un ballon, je tire en dilettante. Alors, moi, ça ne me plaît pas. Mais comme on leur a jamais rien dit, on leur a toujours laissé faire ça, ben maintenant, elles continuent à faire de leur travers. Moi, je ne suis pas très, très content. Voilà. Qu'est-ce que tu leur as dit à la fin du match? Tu les as rassemblés, qu'est-ce que tu leur as dit? Félicitations pour la victoire. 21 tirs ratés, 13 mauvaises passes et 6 mauvaises réceptions. Comment on peut gommer? Parce que c'est quelque chose, comme tu dis... Enfin, tu dis que c'est depuis le début, mais comment on peut le gommer avec des filles qui ont un certain vécu handball? Comment tu peux gommer ça? Là, c'est difficile parce que sur le plan technique, les fondamentaux individuels, elles ont des lacunes. En fin de compte, elles font des choses qui n'existent pas dans le handball. Alors pour repartir dans l'autre sens, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Après, on travaille à l'entraînement. L'entraînement de mardi, mercredi, ça s'est super bien passé. On a mis de l'activité, on a mis du rythme, c'était très très bien. Et là, l'entraînement d'hier, on a fait un entraînement comme le match. Les pertes de balles, les deux tueurs, voilà. Ça veut dire que tu n'étais pas vraiment surpris de ce que tu as mis au fond? Ah non, je suis pas surpris. Je suis pas surpris du tout. Autre point, tu avais quand même pas mal insisté sur le fait qu'elle devait se donner à 200%. Est-ce que sur ça, quand même, tu es satisfait ce soir? Mais non, c'est pas possible. Ouais. T'as tiré raté, tu ne te donnes pas à 200%. Ouais. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de 200% là, là on a joué à 30%, c'est pas possible. Là, je sais pas, moi, du handball comme ça me plaît pas. Très bien, je te remercie.